pas sûr que t'as le droit de faire ça. Comme ça, y a pas personne d'autre qui va avoir l'idée de l'acheter. Toi, il a mal enfant. T'es un méchant plaqué. 1 350 000 $ pour un terrain. Le gars avant toi, il est perdu là-dedans. Le gars avant moi, c'est un nono. Qu'est-ce que tu veux bâtir sur un terrain grand de même? Ramène-moi mon permis, mon Georges. Tu verras bien après. Juste un événement dans le cas d'Émilie. Un événement? Elle en a pris juste une fois. C'est ce que je dis. Non, non, je minimise pas, ma belle. Ceux qui réussissent à contrôler la consommation de cristal sont rares. Moi, je suis correct. As-tu encore le goût? Oui. Mais plus ça va, moins j'ai le goût. Si t'en avais, là, en prendrais-tu? Ce serait dur, mais je pense que non. Ça s'est passé ici? Non, dans la chambre de la petite. Il s'est traîné jusqu'ici après. Pour mourir, là. Si t'en penses. L'arme? Pas trouvé. Avez-vous fait le tour? Rien, on fera le tour après. Là. Les autres sont où? Dans la chambre de la petite. Hello. Hello, il y a quelqu'un? Ah, bonjour, docteur. C'est Richard Tremblay. Je me demandais la crème à la testostérone que vous m'avez prescrite, là. Est-ce que ça pourrait avoir un effet sur l'agressivité, ça? Ah, c'est possible. Monsieur Tremblay, j'ai été en consultation. Là, on m'a dit que c'était urgent. Mais c'est juste parce que j'ai lu sur Internet que ça se pouvait... Internet. Écoutez, si vous avez des inquiétudes, prenez un rendez-vous. Oui, oui, c'est ça que je vais faire. Mais en attendant, pour les comportements agressifs, est-ce que vous avez respecté la posologie? Ben, j'en ai peut-être mis un peu plus. Quand vous dites que vous avez un peu augmenté la dose, on parle de quoi au juste? De simple à double, je dirais. Peut-être des fois le triple. Mais je peux pas déterminer ça au téléphone. Passez à la clinique. Ah oui, je vais faire ça. Merci de votre appel. Ce sont eux qui détruiront tout. Ils sont le malheur et la bêtise. Ils sont le témoignage de l'horreur qui est en l'homme, qui vient de l'homme. Ils ont, à travers les siècles, servi inconditionnellement les orgueilleux, les sanguinaires, les assassins, sans jamais s'inquiéter, s'interroger comme si cela ne les concernait pas. Ils ont brûlé, égorgé, éventré, pillé, tout détruit, facile, obéissant. Sous les plis d'un drapeau, il y a une juste course. Ils ont assassiné leurs frères en révolte au service de tous les rois, de tous les États. Les militaires sont l'image même de l'horreur, du malheur et de la bêtise. Hey, les gars! Je vous le dis pas souvent, mais vous faites de la belle ouvrage. Si bon qu'il vous inspire à changer. Riche et délicieux, le café infusé de McDonald's, seulement $1. Et le pont roulant que vous voyez sur la photo, monsieur le juge, je vous soumets que c'est une grue. Une grue n'a pas toujours nécessairement l'air d'une grue, mais ça peut quand même être une grue au sens de la loi. Et l'accusé doit avoir suivi une formation de grutier pour opérer une grue. C'est tout? Regardez comme faut la photo, monsieur le juge. Je l'ai vu, maître. Hein? Bon, j'ai pas mal eau avec moi, je vais prendre ça en délibéré. Cause suivante. Bien. Et la pêche à la dandinette, c'est quand vous tirez votre ligne, hop, vous la relâchez. Comprenez? Vous tirez, vous relâchez. C'est très comme ça. C'est bien, maître. Le tribunal a compris. Ben, c'est une pêche déloyale pour le poisson et c'est un acte complètement illégal. Et la couronne vous demande de condamner sévèrement ce comportement-là. Très bien, coupable. 25 $ d'amende. Au suivant. Hey, on l'a eu, celle-là. Il y en a une qui va s'ennuyer. Quand j'ai décidé d'aller étudier une session à Halifax, je me suis retrouvée toute seule pour la première fois.
tout était nouveau pour moi. La langue, la ville, la température. Des fois, j'avais l'impression d'être à l'autre bout du monde. Dès que j'ai vu le Tim Hortons, je savais qu'en rentrant là, je me sentirais comme chez nous. Puis j'avais raison. J'aimais ça venir ici. À la longue, c'était devenu mon petit refuge. En tout cas, elle n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Je vais toujours me souvenir de mon expérience là-bas. Puis je vais toujours me souvenir qu'une des bonnes choses quand on part en voyage, c'est quand on revient à la maison. Allô, ma grande! Michel, je suis revenue!